l'idée du jeu, c'est de faire en sorte que n'importe qui puisse jouer avec ou sans notion de ce qu'est la navigation ou la course au large. Alors, Virtua Regatta, c'est un jeu en ligne qui permet de faire de la simulation de course au large à la voile. L'ambition de Virtua Regatta, c'est de faire en sorte que le spectateur ne soit pas complètement passif et puisse participer en comprenant vraiment ce qui se passe sur l'eau et en vivant, autant que faire se peut, la même chose que ce que peuvent vivre les navigateurs dans la vraie vie, sur le pont de leur bateau avec leur ciré. Le contournement d'une dépression, le passage d'un anticyclone, etc. L'idée du jeu, c'est de faire en sorte que n'importe qui puisse jouer avec ou sans notion de ce qu'est la navigation ou la course au large. Après, bien sûr, il y a plein de petites subtilités météorologiques qui vont rentrer en compte et qui vont permettre de faire la différence. La route du Rhum, cette année, comme toutes les autres années, surtout en France, c'est un événement qui est très très populaire. On attend environ 500 000 joueurs inscrits sur l'ensemble des 4 courses. C'est l'événement de l'année. Ça, c'est une nouveauté, c'est la notion de fatigue du skipper. Un skipper qui va manœuvrer beaucoup, va consommer beaucoup d'énergie, il va falloir manœuvrer, entre guillemets, intelligemment. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver sur l'horizon 2023. On a une nouvelle marina, on va pouvoir posséder son propre bateau et l'équiper. Il y a des choses géniales qui vont se passer en 2023.